mesurer l'intensité des efforts des danseurs, les pressions physiques rencontrées lors de l'exécution des mouvements, ces danseurs polonais ont délaissé la scène le temps d'effectuer des simulations dans un laboratoire. Des scientifiques de l'Université de technologie de Silésie utilisent une combinaison faite de capteurs et une plaque de force installée au sol. Les articulations et les os des danseurs sont soumis à de fortes pressions, jusqu'à 10 fois le poids du danseur. Nous avons déjà préparé un modèle mathématique permettant de calculer les forces générées par les muscles, qui permet de montrer la réaction dans les articulations. Ces résultats permettront de simuler et d'étudier les charges exercées lors des mouvements sur les articulations et les forces générées par les muscles. Quand ils ont commencé l'étude, les chercheurs savaient que les résultats pourraient indiquer une charge très élevée pour le corps. Mais personne ne s'attendait à ce que les sauts et les figures exécutés avec tant de légèreté et de grâce par les danseurs pouvaient représenter une telle charge pour le corps. Avec cette étude, je me suis rendu compte que la danse demande beaucoup d'efforts. Notre corps est si lourd. Je ne savais même pas que mes articulations et mes os pourraient soutenir autant de poids. L'étude doit permettre aux danseurs d'effectuer leurs mouvements et leurs figures en toute sécurité, en identifiant les postures qui préservent leur corps.